fausses moutons, ta fin des prédictions. Ou je me prends pour d'un stade d'amus. Sauf que j'en m'écoute parce qu'il faut juste un chauffeur d'autobus. Qui chauffe des autobus scolaires, puis qui radote à propos des éclipses solaires. Qui leur sent juste un écoute au secondaire. Me croient pas quand je leur dis que je suis un visionnaire. Je les entends rire pendant que je leur explique ma vision d'hier. Je leur dis que j'ai reçu un message de l'au-delà. À propos de qu'est-ce qu'ils vont arriver aux électeurs. Mes matins, ma vision est bonne. Ils vont arrêter l'ancien président pas prisonnier d'homme. Les gens dans l'autobus savent très bien que les choses que j'en dis sont pas vraies. Ils savent très bien que mes prédictions se réaliseront jamais. Je crois que je vois un jeune. J'ouvre la porte, j'arrive à son père. Et le petit garçon monte à bord. Et c'est alors que je me mets à avoir une vision de sa mort. Je dis oh non, mais ça alors faut que j'explique la vision que je viens d'avoir. Je prends le petit gars par le bout. J'explique la réalité, le cheese, oui, c'est du fromage au corps. Pendant que le petit gars crie par moi, voir est-ce qu'il est en pleine crise de parade. Nous, y'a des boss, lance-moi, c'est qui qui fait gros pas là. Le petit jeune, et comme les autres gars, ils croient pas. Est-ce que j'ai dit à propos du fromage au corps pis du cheese, oui? Je m'en fous qu'ils me croient pas, je sais que c'est vrai. Moi, j'écoute qu'est-ce qu'ils disent pis ils me disent. Je suis un peu comme Nostradamus. Pour les jeunes qui pondent la bus, le midi, j'adopte ça dans mon coin en parlant d'ovnis pendant que je me frise pis que je crie. Sans rendre compte, le petit jeune qui est assis en avant écoute juste pis qu'est-ce que j'ai dit. La plupart du monde part à rire quand je leur dis que je peux voir l'avenir. Ça devient frustrant longue, j'essaie à chaque fois de pas réagir quand je leur compte de quoi pis que je les vois qui partent à rire. Je me le prends pour un prophète, mais parmi toutes les prédictions que j'ai faites, il n'y a jamais eu une de correcte. Ça fait une semaine que je dis que la lune va exploser à cause d'une comète. Les jeunes pensent que je suis en psychose à cause que je fume trop net. Y'a aucune de mes prédictions à date que je suis correcte. Pour eux, je roule tout le temps de la marde. Je suis mentalement dérangé. Car je suis toujours en garde contre d'éventuels dangers qui leur arrivent jamais. Tous les jeunes ont honte que j'arrête de parler puis que j'arrive à leur arrêt. La plupart d'entre eux pensent que je suis fou parce que je me trompe sur 20 directions pendant leur trajet. Puis à cause de ça, les enfants arrivent souvent en retard à l'école une heure après. C'est aussi pour ça que le directeur de leur école me hait. Il dit que je suis fou puis je raconte des conneries. Mais je suis comme Nostradamus. Moi aussi, j'écris parfois mes prophéties sous forme de poésie. J'écris des quatrains comme lui également que personne comprend. Je sais que j'ai du talent, je suis un génie, je suis bon là-dedans. Sauf que les gens disent tous que je suis juste un chauffeur d'autobus. Faut qu'il se prend pour Nostradamus. Mais oui, je suis comme Nostradamus. Je le sais, je le sais, je le sais. J'ai plein de la dernière, j'ai toutes les sinus blanches comme Nostradamus dans le temps. J'ai écrit les quatre.